Merci d'être là, les chéris. Elsa Esnou est avec nous. C'est notre chanteuse d'amour. L'album de Elsa que j'adore. Hein. Remettez-moi un petit peu mes plus belles histoires d'amour. Les plus belles histoires d'amour. Cette blanche qui joue d'un jour. Quand on se dévoile. Tu seras également le 19 septembre en concert. Au Palais des Congrès à Paris à 18h, mon Elsa d'amour. Pourquoi tu l'as appelé 5 l'album? Parce que c'est ton 5e? Oui. Exactement. Tout simplement. T'as vu comme je suis perspicace. Bah, on n'était jamais d'accord sur les titres, alors on s'est donc à un moment on s'est dit ça. Voilà, on met exactement. Voilà, c'est comme ça, ça va. Elsa, tu restes avec nous, ma chérie. On va passer à ce qu'il ne fallait pas louper. Et il y a Jean Castex et Jean-Michel Blanquer. Ah oui. Vous connaissez? Ah oui. Oui. Voilà, deux ex d'Isabelle se sont prêtés ce matin à un petit chant. Ils étaient très sympathiques tous les deux. Ils ont vécu dans une classe d'enfants à quelques jours de Noël. Ils ont chanté Vive le vent. Regardez, c'est fort, c'est fort. Je me suis retourné, moi, comme dans The Voice. Elsa qui chante Vive le vent d'ailleurs sur son album. J'espère que vous ferez un featuring avec Jean Castex. Ça peut être pas mal. Non, mais franchement, il est... Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est bien, ils sont sur le terrain. Ouais. Imaginez qu'ils fassent l'inverse. Ah oui, les non, enfants mais... chantent, ils chantent non, pas. Non, mais ils seraient voilà. passés pour des rôles. Voilà, ils vont sûr, détruire. Sûr. Donc c'est bien de participer. Ouais, ils sont un peu ridicules, mais ils jouent le jeu. Bravo. Non, ils sont pas ridicules. Un peu. Non, mais après, bon, c'est bien, c'est bien. Bah, ils sont ridicules comme tous les gens qui chanteraient Vive le vent. Bah, exactement. Celui de ça pour Elsa, c'est pas grave. Je tiens à dire que c'est la chanson préférée de Guillaume Janton, Vive le vent. Oui, en hommage à Delphine Despiller. C'est vrai que lui, c'est hiver comme été, les vents avec l'histoire de ma vie. Ouais, c'est vrai. Mais Delphine, je suis sûr que ça va se faire un jour. Magnifique, ça.